Parlons Design. Parlons Design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de la navigation au clavier et de généralement, en tant que designer, qu'est-ce qu'on doit penser en relation avec le clavier quand on conçoit des sites web, des applications desktop et même aujourd'hui des applications iPad, iPad Pro notamment. Dans quel cas c'est utile, comment on peut gérer ça, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les petits points qu'on a tendance à oublier et qu'il ne faut pas oublier. On va voir ça ensemble dans ce nouvel épisode de Parlons Design. Donc déjà, la navigation au clavier, ça sert quand, où et surtout pour qui. Donc où ça va être sur les sites web, bien évidemment, sur les applications d'ordinateur, que ce soit Windows ou Mac, et maintenant sur les applications iPad. Il faut de plus en plus y penser. Déjà avant, certains utilisateurs utilisaient un iPad avec un clavier externe pour notamment des usages où il fallait beaucoup écrire, de la rédaction d'articles, de la rédaction de contenu, de la création de diaporamas par exemple sur un iPad. Donc fallait déjà y penser. Aujourd'hui avec l'iPad Pro, avec le nouveau Magic Keyboard, Apple pousse pas mal dans cette direction. Ils sont aussi en train d'intégrer maintenant la gestion de la souris, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'Apple pousse dans cette direction. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que la consommation, on va dire, de clavier sur iPad augmente. Donc voilà, ce sont trois cas où il faut y penser. Et finalement, c'est beaucoup de cas. C'est-à-dire à part sur les projets purement mobiles, purement smartphone, dans tous les cas, l'utilisateur peut potentiellement interagir avec un clavier et donc il faut considérer l'idée de gérer la navigation au clavier dans ce projet-là. Ensuite, quel type de public va utiliser la navigation au clavier? C'est aussi un point à prendre en compte. C'est-à-dire, s'il y a 1% de vos utilisateurs que ça intéresse, c'est peut-être pas nécessaire de consacrer des ressources à cela. Donc, qui va utiliser le clavier en général? Déjà, ça va être une grosse partie. Les gens peut-être comme toi, qui est probablement un petit peu technophile ou un petit peu techno-natif, on va dire. Voilà, tous ceux qui ont le côté, soit le côté geek, soit qui sont nés avec les technologies, qui sont nés avec les ordinateurs, qui sont nés avec les smartphones et qui sont habitués à toutes les petites astuces pour gagner du temps. Et du coup, toutes ces personnes-là vont vraiment beaucoup utiliser le clavier, souvent pour gagner du temps, par habitude. Et donc, c'est un point qui peut vraiment les déranger dans leur utilisation d'un outil, si cet outil n'est pas compatible avec la gestion au clavier. Et donc selon vos utilisateurs, s'ils sont beaucoup de ce genre-là, ça va être très important, alors que dans certains cas, des utilisateurs qui ne sont pas du tout habitués, n'ont pas trop intérêt à utiliser ça, ça va pas être utile de développer la gestion au clavier. Et puis le second type de personne qui est potentiellement intéressé par la navigation au clavier, c'est certaines personnes avec des handicaps qui ont divers problèmes, mais en tout cas qui préfèrent la navigation au clavier. Donc en termes d'accessibilité, avoir une application ou un site web compatible avec la navigation au clavier, ça va être excellent, parce que ça va tout simplement étendre les possibilités des gens qui peuvent utiliser votre projet. Donc voilà, pareil, si c'est un projet dédié à des personnes avec plus de handicaps que la moyenne, ça peut être intéressant selon les handicaps visés, les personnes avec des handicaps qui font partie de votre cible, de réfléchir à la navigation au clavier. Qu'est-ce que ça représente la navigation au clavier? Maintenant qu'on a défini sur quel support ça peut servir et à qui ça peut servir, c'est principalement deux cas d'usage. Premièrement, les raccourcis clavier, tout ce qui va être le copier-coller, la recherche rapide, voilà, tous ces raccourcis clavier que pas mal d'utilisateurs sont habitués d'utiliser au quotidien pour gagner du temps dans leurs applications. Et puis toute la partie navigation au sens pur, se déplacer dans l'interface, sélectionner des éléments, annuler des opérations, revenir en arrière, vraiment la partie navigation pure. Et donc là, dans tous ces cadres-là, l'avantage c'est bien sûr la vitesse. Faire un commande C, commande V, c'est bien plus rapide que de faire un clic droit copier, clic droit coller, où ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ça, c'est dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, quand on veut se déplacer dans une application qu'on utilise de manière professionnelle régulière, cliquer à un endroit puis à un autre pour accéder à une certaine fonctionnalité, en général, si justement l'application est bien conçue, ça va être plus long que de faire deux commandes raccourcis clavier très rapidement, qui va nous prendre que quelques millièmes de seconde. Et donc le dernier point à prendre en compte avant de choisir si oui ou non vous devez réfléchir à la navigation clavier, c'est sur quel type de projet vous travaillez. Si vous travaillez sur un site vitrine ça va probablement pas être utile de gérer la navigation clavier, ou vraiment si vous voulez en termes d'accessibilité être au top, c'est un plus, mais ça va pas être une des priorités. Par contre, si vous travaillez sur un outil de productivité, un outil qui est utilisé très régulièrement par les mêmes personnes, dans ce cas-là, la puissance des raccourcis clavier va être décuplée parce qu'au quotidien, ça va leur faire gagner peut-être 15 secondes tous les jours, mais s'ils utilisent votre produit tous les jours, ben, au final, ça va être beaucoup de temps gagné. Et encore, quand je dis 15 secondes, ça peut être beaucoup plus, hein. Quelqu'un qui gère bien les raccourcis clavier sur une application qu'il utilise au quotidien, ça peut être des dizaines de minutes par jour qu'il économise en gagnant en productivité comme ça. Donc voilà, maintenant que vous avez tous les points, sur quel support, quel type de produit et quel type de cible, vous pouvez choisir consciemment si c'est une bonne chose de se pencher sur la navigation clavier. Donc maintenant on va pouvoir voir les deux cas d'usage, donc les raccourcis et la navigation, comment les gérer, quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les points auxquels il faut penser. Donc premièrement, pour la partie raccourcis, il va falloir définir des raccourcis pour toutes les actions principales et les actions secondaires également. Il y a vraiment que les actions qui sont un petit peu très complexes, un petit peu très cachées, où vous pouvez ne pas mettre un raccourci, mais toutes les fonctionnalités qui sont utilisées de manière régulière doivent avoir un raccourci, qui sont donc prévus par le designer. Malgré tout, c'est notre job, c'est notre rôle de penser à tous ces cas d'usage et qui vont devoir bien sûr s'adapter à vos utilisateurs. Donc il y a une première question qui peut se poser, c'est comment on choisit les raccourcis clavier par rapport à quelle langue par exemple. On utilise le commande C, commande V par exemple, donc c'est pour C, on se dit pour copier, mais c'est probablement plus choisi par rapport à l'anglais, parce que ce qu'on utilise sur nos ordinateurs, c'est en général des logiciels internationaux. Donc en général, si votre produit est dédié à plusieurs pays différents, on ne va pas adapter les raccourcis à chaque pays. Ce serait pas top, donc on va plutôt se baser sur l'anglais et essayer de choisir des lettres cohérentes avec un sens que l'utilisateur, quand il fasse commande F, il puisse se dire que c'est find, rechercher, et pas juste qu'il appuie sur une commande parce qu'il s'en souvient, mais lui donner des indices, l'aider à bien se souvenir. Après, si votre application est spécifique à un pays, vous pouvez adapter les raccourcis à la langue, et du coup ce serait un commande R pour la recherche, mais on va voir ensuite que c'est pas top. Donc globalement, pensez raccourcis, on les fait en anglais si le produit est international ou dédié à plusieurs pays, et si le produit est très spécifique pour un seul pays, pour une cible qui n'est vraiment pas à l'aise avec les langues étrangères, on va se tourner vers la langue en question, mais ce sont vraiment des cas d'usage qui me paraissent en tout cas dans mon environnement assez rare. Et donc pourquoi je vous disais que si on est en France, par exemple, pourquoi on ne ferait pas un commande R pour la recherche au lieu d'un commande F, c'est parce qu'il y a des normes, il y a des choses auxquelles les utilisateurs sont habitués à utiliser nativement sur leurs ordinateurs et sur les autres applications, et donc si on le change, ils vont être perdus, même si c'est dans la bonne langue par rapport à leur pays, ils sont habitués à faire un commande F au quotidien, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, il va bien falloir se baser sur les normes, les apprendre, les découvrir si vous n'y êtes pas encore habitué. Donc il va y avoir par exemple ce fameux commande F pour faire de la recherche rapide, le commande C pour copier, le commande W pour fermer une fenêtre, et donc toutes ces habitudes de vos utilisateurs, donc là moi je parle pour un Mac, mais il va falloir bien sûr s'adapter aux habitudes d'un utilisateur Windows si vous concevez une application Windows ou un site web qui va donc être également visité sur Windows, pour que l'utilisateur se sente comme chez lui, comme dans son environnement naturel, sur votre application, sur votre projet. Un troisième point à propos des raccourcis, c'est que des fois, il va pas falloir hésiter à complexifier certains raccourcis inutilement, c'est-à-dire il y a des lettres dispo qui seraient plus simples à taper et peut-être plus logiques, mais certains raccourcis, on va les rendre complexes si les actions sont un petit peu risquées ou sont pas des actions communes. C'est ce que fait votre ordinateur par défaut, tous les raccourcis qui sont par défaut. Par exemple, pour naviguer dans vos documents, il y a des raccourcis un petit peu cachés qui correspondent à des fonctionnalités avancées que vous n'allez pas utiliser tous les jours et qui sont donc vraiment dédié aux utilisateurs professionnels. Et bien voilà, il faut pas hésiter. Si c'est une fonctionnalité que peu de monde va utiliser, on va pas la rendre trop accessible simplement, où des gens par erreur pourraient tomber sur ce truc trop compliqué, et on va le rendre un petit peu plus compliqué pour que uniquement les utilisateurs qui le veulent, qui le souhaitent réellement, tombent là-dessus. Et donc, on en arrive ainsi au dernier point. Finalement, il était bien construit, ce podcast. Je m'auto-étonne moi-même. C'est que il va falloir rendre tous ces raccourcis bien découvrables par vos utilisateurs. Parce que s'il y en a, mais qu'il n'y a aucun moyen de les retrouver, bien sûr, il ne va pas les découvrir. Hein, je ne vous apprends rien. Donc, par défaut, bien sûr, tous les développeurs peuvent faire que les raccourcis s'affichent dans les menus Mac ou Windows par défaut. Mais vous pouvez proposer peut-être des onboarding un petit peu intelligents au fur et à mesure du parcours de l'utilisateur pour les présenter les raccourcis, ou anticiper des affichages qui vont mettre en avant ces raccourcis. Ça, c'est votre job, c'est à s'adapter à la situation, mais c'est une chose à laquelle il faut bien penser, rendre tous ces raccourcis découvrables. Enfin, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie, la partie vraiment de la navigation clavier au sens navigation, qui permet de se balader dans une application, dans un site. Il va y avoir, encore une fois, trois petites sous-parties dans la navigation. D'abord, ça va être la navigation générale, qu'on retrouve notamment beaucoup sur les sites web. C'est la navigation avec la touche tabulation. Ça va être une navigation qui est beaucoup utilisée pour l'accessibilité, mais qui peut être utilisée par les power users un petit peu également, et qui va permettre de se déplacer de bouton en bouton, de champ en champ et de lien en lien dans l'application, dans le site web, juste en appuyant sur Tab et en passant au prochain élément intéressant avec lequel l'utilisateur peut interagir. Dans ce cas-là, en tant que designer, il va falloir mapper un parcours en disant ça c'est le premier point d'intérêt, le deuxième point d'intérêt, le troisième point d'intérêt, etc. afin que les développeurs puissent l'intégrer proprement et que ça corresponde à ce parcours logique et cohérent. Et il va également falloir penser à designer, à concevoir le feedback visuel associé qui montre à l'utilisateur qu'en appuyant sur la tabulation, il s'est bien déplacé à tel élément et que cet élément est toujours dans le focus, il peut interagir avec. Le deuxième cas de navigation qui est intéressant et un peu plus généraliste, utilisé par plus de monde, c'est le déplacement dans les listes ou dans les tableaux. Donc dans ce cas-là, on va... Beaucoup plus d'utilisateurs vont être à l'aise avec le fait de se déplacer avec les flèches, donc il va peut-être falloir le gérer. Pareil, dans ce cas-là, il faut gérer un feedback visuel qui montre à l'utilisateur quelle case est actuellement sélectionnée et que quand il clique, ça se déplace bien. Et puis, gérer les raccourcis de navigation. Là, on rentre un peu dans Inception. Par exemple, sur Mac, on va être habitué à faire une commande et une flèche pour aller tout au bout d'une ligne ou tout au début d'une ligne. Et donc, ce serait bien de gérer ce type de raccourci et de le préciser dans le design de votre interface. Et enfin, le troisième point dans cette navigation, c'est un petit peu la navigation générale. Ouvrir une page, fermer une page. Donc on va être habitué à appuyer sur Escape pour fermer une fenêtre modale par exemple, et à faire entrer pour valider le clic sur un lien ou un bouton. Donc il va falloir vérifier que ce comportement à chaque fois par rapport au clavier va correspondre à ce qu'attend l'utilisateur de ces touches précises. Voilà, j'espère que ce podcast sur la navigation clavier vous aura intéressé. Je pense que c'est un sujet qui est assez peu, enfin on en discute assez peu, mais je le trouve très important déjà pour l'accessibilité et pour tous les power users. Quand on est vraiment habitué à naviguer au clavier, c'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire dans nos applications préférées. Donc voilà, en tant que designer, je vous invite à ne pas l'oublier, à vérifier comme d'habitude si le contexte du projet sur lequel vous travaillez le demande, le requiert, si ça a une vraie utilité. Mais si c'est le cas, voilà, ne pas l'oublier, pensez à tous ces petits points et puis voilà. Faites-vous plaisir. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Ça me fait super plaisir et ça me permet de garder la motivation à réaliser ce podcast. Et puis, tant qu'on parle de partage, allez, je vous invite à découvrir le site Partageons Design où je vous présente toutes les meilleures ressources design que je trouve au quotidien. Vous pouvez vous y inscrire sous forme de newsletter, mais également juste suivre le blog ou le suivre en flux RSS. Voilà, c'est libre, c'est gratuit, c'est dispo dans la description. J'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons Design. Parlons Design. Parlons Design.